Donc, rebonjour et bienvenue à cette Assemblée générale annuelle de la FPJQ. Donc, je vous propose, sans plus tarder, parce qu'on a déjà fait les présentations, de commencer immédiatement avec l'ouverture de l'Assemblée générale et la nomination d'un président et du secrétaire d'Assemblée. Donc, ce que je vous proposerais, c'est de garder les mêmes personnes, donc Richard Bousquet comme président d'Assemblée et Valérie Gendron comme secrétaire d'Assemblée. C'est donc proposé par Marie-Ève Martel et par Pierre Saint-Arnaud. C'est appuyé par Jean-Benoît Nadeau et Sylvio Morin. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la nomination d'un président et d'une secrétaire d'Assemblée? Personne ne demande de vote. On est donc élu à l'unanimité. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour que je vous lis à l'instant. Adoption d'ordre du jour, point 3. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 novembre 2020. Point 5, rapport du président. Point 6, rapport de la direction. Point 7, tour de table des sections régionales. Point 8, présentation des candidats aux élections du conseil d'administration pour le poste d'administrateur pigiste. Point 9, vote pour les élections au conseil d'administration pour le poste d'administrateur pigiste. Point 10, présentation des états financiers vérifiés au 31 juillet 2021. Je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir une proposition de le reporter. Nomination du vérificateur financier aussi. Point 12, budget annuel. Point 13, plan stratégique 22-27. Point 14, annonce des élus au conseil d'administration et au conseil de presse. Point 15, varia. Et point 16, levée de l'Assemblée générale. Donc, je prendrai à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. C'est proposé par Marie-Ève Martel. C'est appuyé par Stéphanie McFarlane. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un a des modifications à apporter à l'ordre du jour? On a juste le résultat du concours avec la personnelle à ajouter en varia. En varia, donc, il y aura un point concours au point 15 varia. Bon, comme il est de coutume, au point 15 varia, j'accepterai des motions de la salle sur le déroulement de l'Assemblée. Comme il est de coutume. Et donc, ça m'amène à demander s'il y a quelqu'un qui demande le vote sur la proposition d'ordre du jour. Personne ne demande le vote. L'ordre du jour est donc adopté. Ça nous amène au point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 novembre 2020, que vous avez tous reçu à l'avance. Est-ce que je me prendrai à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour adopter le procès-verbal de l'Assemblée du 8 novembre 2020? Des personnes qui étaient présentes. C'est proposé par Geneviève Michaud et c'est appuyé par Martin Truchon. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur le procès-verbal ou des modifications à y apporter? Je ne vois pas de main se lever. Donc, le procès-verbal serait tel que vu et entendu en 2020. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le procès-verbal? L'adoption du procès-verbal. Personne ne demande le vote. Le procès-verbal est donc adopté. Ça nous amène au point 5, rapport du président. Et sur ce, je cède la parole à Michael. Donc, merci beaucoup. Puis, je suis assez fier de vous dire que la dernière année a été assez faste pour la fédération. On a travaillé vraiment très, très fort pour être à l'avant-plan de la défense du journalisme et de la liberté de presse. Donc, dans la dernière année, comme président, j'ai donné plus de 60 entrevues, en fait, dans différents médias. Les sujets qui revenaient, c'était l'intimidation, la désinformation, la polarisation de la société, les entraves municipales, le journalisme local, les salaires de pige. Et je fais ici référence au Beach Club, je ne sais
pense que vous vous souvenez tous, les tarifs de 5 $ pour repiquer des nouvelles, réécrire, l'accès à l'information, les redevances des superpuissances numériques. Donc, selon moi, c'est important de marteler l'importance d'un journalisme fiable et de qualité, mais aussi de l'aide qui doit lui être apportée. On l'a fait dans la dernière année, puis je suis convaincu qu'on va continuer à le faire dans les années qui s'en viennent. Également, en sous-marin, on a travaillé fort aussi pour faire pression sur les différents paliers de gouvernement, sur le droit à l'accès à l'information sans entrave. On a aussi planché pour nous rapprocher encore plus des membres en impliquant les régions pour des sorties plus ciblées. Ce qu'on a fait cette année, c'est quand il y avait un problème plus régional, les sections régionales faisaient un communiqué et j'ajoutais ma voix à la leur pour dénoncer les situations. Tout ça, ça a mené à une hausse de membership de 15% environ. Fait que c'est une bonne nouvelle et on essaie de continuer à augmenter le membership parce que c'est crucial pour pouvoir continuer les activités de la fédération. On est une petite équipe, la permanence, on parle de 3 personnes, mais je peux vous dire qu'on travaille fort et quand on dit aux organismes que la permanence, c'est 3 personnes, ils ont du mal à le réaliser parce que l'image, on rayonne beaucoup plus que la taille, que notre taille réelle en fait. Donc, comme vous voyez, à l'image de plusieurs salles de presse qui s'élargissent, la FPJQ a aussi le vent dans les voiles, on a des grandes ambitions et dès cette année, on va plancher sur un plan stratégique en consultation avec les membres pour donner une direction claire sur où la fédération ou votre fédération compte se diriger à long terme avec des objectifs précis. Et je souhaite également pousser les formations parce que pour les journalistes, c'est important de toujours se perfectionner, mieux comprendre le métier pour mieux le faire, pour mieux rayonner, mais aussi pour les intervenants, parce qu'un constat que j'ai fait, c'est qu'il y a trop d'intervenants qui se méprennent sur notre travail, qui comprennent mal notre travail, et ça m'apparaît utile, en fait, de leur expliquer c'est quoi pour qu'eux, ils puissent mieux comprendre, et en comprenant mieux, les relations avec différents organismes peuvent s'améliorer, qu'ils voient que des fois, on peut s'entendre, c'est juste qu'eux ont une réticence, ils s'imaginent plein de choses, ça pose problème. Fait que je pense que ça pourrait faciliter la vie de tous, fait qu'on va travailler à la fédération pour monter ça cette année. Donc, tous ces avancements, ça m'a poussé à vous demander un deuxième mandat, en fait, après 2 ans de présidence. Et j'ai l'impression que nos fondations, elles sont assez solidifiées et c'est le moment parfait pour bâtir, en fait, un projet qui assurera la pérennité de la FPJQ. Donc, j'ai été réélu par acclamation et dans les 2 prochaines années, mon objectif, c'est de m'assurer que tout soit parfaitement en place pour que la personne qui me succédera, elle ait le champ libre pour amener la FPJQ là, encore plus loin, là où elle doit être et là où elle mérite d'être. Sur ce, merci, puis je vais prendre vos questions si vous en avez. Merci, Michael. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vois des félicitations. Stéphane Giroux. Alors, vous allez m'excuser, ce n'est pas une question, c'est effectivement des félicitations. J'ai été ton prédécesseur, Michael, et je dois avouer que ton travail accompli depuis 2 ans, ton plan, évidemment, la présence de Martine et Stéphane autour de toi fait que c'est assez évident que la FPJQ est passée à un autre niveau. Et je pense que je ne suis pas tout seul à vouloir te dire félicitations et merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur le rapport du président? Je n'ai pas d'autres interventions. Par les années passées, ce qu'on faisait, c'était de procéder à la ratification des faits et gestes du conseil d'administration à ce moment-ci. Donc, c'est une façon, dans le fond, d'adopter aussi en même temps le rapport du président. Donc, je vais demander un proposeur et un appuyeur pour
pour ratifier les faits et gestes du conseil d'administration. C'est proposé par Silvio Morin et c'est appuyé par Pierre Saint-Arnaud. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la proposition de ratifier les faits et gestes du conseil d'administration? Il n'y a pas de commentaires. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne ne demande le vote. Donc, les faits et gestes du conseil d'administration sont ratifiés par l'Assemblée générale. Ça nous amènerait au point 6, rapport de la direction. Je cède la parole à Martine. C'est bon. Encore une fois, bonjour à tous. Pour le rapport de la direction, écoutez, c'est une année qui a été signe de changement. Mon arrivée en février 2021, c'était à la succession de deux directions générales, dont une intérimaire. Donc, c'est une année où il y a eu énormément de changements à la tête et dans l'équipe de la permanence. Donc, l'arrivée de Stéphane Villeneuve en décembre a aussi permis à la permanence d'avoir des assises très solides. Et on a ajouté également donc, Valérie Gendron à l'équipe à la fin août, donc début septembre. Évidemment, avec mon départ en congé de maternité, évidemment, il va y avoir certains petits sursauts, mais je vous rassure, je ne suis pas partie bien loin, à preuve ma présence aujourd'hui, après 3 semaines. Donc, simplement vous dire que cette équipe renouvelée, c'est une équipe qui est vraiment dynamique, qui veut vraiment le bien de la fédération et qui travaille de façon très diligente. On a fait donc et travaillé avec le comité et des différents comités à la révision de plusieurs documents, notamment les règlements généraux. Dès notre arrivée aussi, on a voulu faire plus de place aux régions. Donc, vous allez le voir dans le cadre de la planification stratégique, on veut faire plus de place aux régions, trouver une façon de les impliquer, comme le disait Mickaël. Déjà, on les a impliqués au niveau des sorties publiques, mais au niveau administratif au sein de la fédération, il y a des modifications qui sont à faire clairement. Faire un plan stratégique, donc ça fait partie de ma mission. Donc cette année, malgré mon congé de maternité, je reviendrai aussi pour faire cette planification stratégique avec un comité. On a déjà des gens qui ont mentionné vouloir faire partie de cette planification-là. Donc évidemment, de revoir mission, but de la fédération pour que le tout soit, si vous le voulez bien, voté à la prochaine Assemblée générale l'année prochaine. Et aussi, vous aurez pour la première fois cette année, un dépôt de budget. Donc, vous allez voir quels sont les chiffres de votre fédération, où va l'argent, comment c'est utilisé. Dès mon arrivée en février, j'ai déposé un budget donc, au conseil d'administration. Et pour moi, c'est une question de transparence que de pouvoir le présenter aux membres. Donc, vous allez le voir aujourd'hui, je vais pouvoir vous le présenter également un peu plus tard. Simplement vous dire, je suis très fière, en fait, de pouvoir être à la direction générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. C'est un défi qui est quand même important, mais c'est un défi qui est vraiment agréable à relever tous les jours. Et je tiens aussi à remercier les membres du conseil d'administration pour leur collaboration, leur travail acharné. Vous avez des gens qui vous représentent, qui ne comptent pas leurs heures, qui font des comités très tard le soir, des conseils d'administration qui n'en finissent plus pour vraiment défendre vous les membres et vraiment mieux vous représenter. À ce niveau-là, je tiens à les remercier grandement, le conseil d'administration sortant, bien de travailler avec les nouveaux membres du conseil d'administration également à venir. Simplement vous dire un gros merci aussi comme membre. Vous nous avez envoyé énormément de questions, commentaires au cours de l'année sur les différentes sorties ou encore sur les infolettres. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail colossal que fait Stéphane Villeneuve sur nos infolettres à toutes les semaines. Je pense que vous avez vu des changements majeurs et j'espère qu'elle répond à vos attentes et à vos objectifs. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez différentes idées justement à ce propos-là. C'est ce qui fait le tour de mon point de direction générale rapport. Au plaisir de discuter avec vous au cours de l'année prochaine, malgré mon congé. Merci Martine. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires pour sur le rapport de la direction? Encore là, j'ai des félicitations, mais pas encore de main levée. Jean-Benoît Nadeau. Je m'excuse, j'ai
J'ai par erreur pesé sur le bouton. Merci. Je n'ai pas d'autres interventions. Donc, ça nous amènerait au point suivant, qui est le tour de table des sections régionales. Et je recède la parole à Martine. Oui, donc en fait, on avait demandé et envoyé un message, ça fait partie justement de la mise en place des sections régionales, aux sections régionales, donc pour se préparer, une personne qui allait venir vous expliciter un peu ce qu'ils ont fait durant l'année, donc leurs activités, rapports, etc. Donc, on commencerait peut-être par l'Outaouais. Je sais qu'il y avait une présentation aussi PowerPoint. Ah, c'est la Montérégie qui a une présentation PowerPoint? OK. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un de l'Outaouais? Mais là, on a le PowerPoint de Montérégie. On va avoir le Montérégie éventuellement. Ouais. On n'a personne de l'Outaouais? Un membre de l'Outaouais? Non. Parfait. Je commence fort. On va y aller avec la Montérégie. Montérégie. Bonjour tout le monde. Donc, Stéphanie McFarlane, je suis présidente donc, de la section Montérégie. Mais tout d'abord… Facile, c'est ceux qui vont parler au nom des sections, c'est de s'annoncer dans le chat pour pouvoir ouvrir le micro… Donc, en Montérégie, on voit la composition du CA. Oui, donc est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'ils ont un micro? Oui, ça marche? Okay. OK, super. Si on peut retourner peut-être à la diapo précédente. Tout d'abord, merci de nous permettre de vous présenter le résumé de notre dernière année. À l'écran, vous voyez les membres du conseil d'administration de la Montérégie, donc qui étaient composés d'Audrey Folliot, Sarah-Ève Charland, Sylvain Casavant, Denis Germain, Marie-Ève Martel, Geneviève Michaud, puis Juliette Poirot et moi-même, donc Stéphanie McFarlane. L'an dernier, donc, la section est en relance après une petite période de dormance. Donc, on peut peut-être passer à la suivante. Une de nos premières initiatives, ça a été de sonder les membres pour connaître leurs attentes et leurs besoins, puis d'organiser une rencontre virtuelle pour échanger avec eux. On a ensuite organisé quatre activités de formation, virtuelles évidemment, COVID-19 oblige. Donc, on a eu deux formations sur la photographie de presse, puis on a eu deux panels avec des auteurs d'ouvrages sur le journalisme. Au total, donc, on a eu 74 participants. Puis, on a aussi réalisé trois prises de position. Dans les médias, on a fait deux sorties sur l'éducation aux médias, en marge de la distribution des Epoch Times, puis du Feuillet Le Facteur dans différentes régions de la Montérégie. Donc, on a invité les citoyens à s'informer auprès de sources médiatiques crédibles et reconnues, comme leur radio, leur télé et leurs journaux locaux, parce que ces médias, évidemment, diffusent de l'information neutre et objective. Puis aussi, il y a un journaliste de la Montérégie qui a vu son identité être utilisée par un individu lors d'une séance publique d'un conseil d'administration d'un centre de services scolaires. Donc, la FPJQ Montérégie a dénoncé le fait que cet individu-là ait utilisé le nom de journaliste pour créer une adresse courriel bidon et s'est inscrit au conseil d'administration pour y assister. Et il a assisté anonymement, a posé des questions dans le chat, mais tout ça en ayant la caméra fermée. Donc, on a dénoncé cette situation-là. Il y a une plainte aussi à la police qui a été déposée par le journaliste et son média. Donc, c'est ce qui fait le résumé de notre le résumé rapide donc de notre année 2020-2021. On a plusieurs activités donc, qui ont été entamées pour 2021-2022. Puis, je profite de ma tribune aujourd'hui pour vous inviter à notre prochaine activité. Michael nous fait l'honneur de donner une formation sur le journalisme judiciaire, donc notre président. Tous les frais d'inscription seront remis donc, à la Grande Biennale des médias. Puis, Michael aussi donne gracieusement cette formation-là. Donc, vraiment, tous les fonds recueillis vont être remis à la Grande Biennale des médias. Donc, je vous invite à vous inscrire en grand nombre parce qu'on souhaite remettre, évidemment, une belle somme pour aider les moins nantis. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre attention puis je vous souhaite une bonne fin d'Assemblée générale. À moins qu'il y ait des questions. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, on serait rendu à, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'Abitibi-Témiscamingue.
me dirait. Non? Je passe au suivant. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, bonjour, Julien Renaud. Je vous retrouve pour ceux qui étaient à l'Assemblée extraordinaire. C'est moi qui vais prendre la parole. Je suis administrateur secrétaire pour la section régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre présidente sortante, on a eu notre assemblée il y a quelques semaines, donc on a un changement à la direction de la fédération. Donc, comme j'étais là avant et après, c'est moi qui vais faire le petit mot aujourd'hui. Je vous dirais que ça a été l'année des bonnes nouvelles, ce qui est quand même rare dans la dernière année avec la COVID, mais on a eu beaucoup de bonnes nouvelles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'abord, en janvier, il y a eu la création de l'École supérieure en arts et technologies des médias du cégep de Jonquière. Donc, ça a très bien lancé l'année. On a aussi compté le retour du journal Le Réveil, la création du service de nouvelles à nouveau avec quatre journalistes dans la région et le bulletin prolongé pour TVA Nouvelles, donc, qui a été rallongé récemment. Donc, beaucoup plus de contenu médiatique dans notre région et ça, on ne peut que s'en réjouir. Au niveau des activités, on a fait un 5 à 7, tout le monde est invité sauf la pandémie, où on s'est retrouvés pour parler de tout sauf la pandémie entre journalistes. Ça a fait du bien aux participants, surtout qu'on se voyait beaucoup moins sur le terrain en début d'année, tout ça. Donc, on a eu une petite période d'échange à ce moment-là. On a aussi tenu un concours dans le cadre de la Semaine de la presse et on a participé à deux activités organisées par d'autres personnes, mais qu'on a été en collaboration pour traiter du suicide dans les médias notamment, puis l'autre pour un lancement de documentaire impliquant des acteurs médiatiques de la région, dont notre ancienne présidente Mélissa Savoie-Soulière. On a été également beaucoup actifs sur nos réseaux sociaux. Je pense que la page de la section régionale a pris beaucoup vie cette année, puis ça a été un beau lieu de rencontre où on a notamment annoncé les activités, fait des suivis avec ce qui se passait au national, puis aussi souligné là, les prix qui ont été gagnés par nos membres. On a quand même trois membres de la section régionale qui ont gagné des prix au courant de l'année, Vicky Boutin, Michel Tremblay et Julien Bégautier. Donc voilà notre petit résumé de la dernière année. Merci Julien. Maintenant, la nouvelle section Est du Québec comprend maintenant Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord. Donc, s'il y a quelqu'un de cette section-là. Qui a tenu son assemblée générale la semaine dernière. On n'a personne. C'est l'Estrie. Non plus. D'accord. La Mauricie. Toujours pas. Il nous reste simplement Québec. Les Gaulois de Québec, on est là. Bonjour tout le monde. Alexandre Duval, vous m'entendez bien? Allô, Alexandre. Alors, Alexandre Duval, président de la section Québec pour une troisième année maintenant. On a eu l'année dernière, comme tout le monde, je pense, une année particulière qui était affectée par la possibilité d'organiser des événements en présence, mais on s'est quand même tourné vers les visioconférences pour organiser un maximum d'activités. Donc, notre CA l'année dernière était composée de moi-même, Valérie Godreau, Isabelle Porter, David Rémillard, Marie-Christine Trottier et Michel Beausoleil. Donc, on avait quand même une belle représentation de plusieurs médias qui sont représentés dans la région de Québec. En septembre 2020, on a commencé avec notre Assemblée générale annuelle. Ensuite, en novembre, on a eu une formation qui était donnée par Jean-Philippe Descaries-Mathieu, spécialiste en cybersécurité, sur comment entretenir des communications sécuritaires en ligne lorsqu'on est journaliste et qu'on fait affaire avec des sources anonymes. Donc, une présentation, une formation qui était peut-être un petit peu plus technique, mais qui était vraiment très importante, je pense. On était pas si longtemps que ça après l'affaire Louis Robert. Donc, la question des lanceurs d'alerte et des communications sécuritaires était quelque chose d'assez présent à ce moment-là. On a malheureusement dû, en 2020, annuler notre bye-bye en caricature, qui est quand même une activité signature de la région de Québec où à chaque année, on réunit des caricaturistes pour dire au revoir à l'année qui se termine
Et ben, l'année passée, on n'a pas pu le tenir parce que là, c'était trop d'organisation de faire ça en ligne. Donc, on a repris nos activités au printemps avec un panel au mois de mars qui concernait le retour de nouveau, donc le retour d'un troisième joueur télévisuel dans le portrait de l'information de la grande région de Québec. Donc, on avait avec nous Lisa-Marie Blais, donc la chef d'antenne régionale, et Jean-Philippe Pinault, le directeur général de l'Info. Au mois d'avril, on a eu un atelier sur la santé mentale des journalistes. Donc, on avait deux spécialistes avec nous qui étaient là pour parler de santé mentale, de stress, d'organisation du travail. Et au mois de mai, on a été assez actifs pour la semaine de la presse et des médias. On a eu 4 soirs de rencontres virtuelles avec des journalistes ou photojournalistes qui ont été primés soit par le prix Judith Jasmin, soit par le prix Antoine Desilets pour présenter au grand public comment on construit un grand reportage. Et on a eu une émission spéciale radio et télé sur l'avenir du journalisme en milieu rural qui a été enregistrée à partir de la ville de Saint-Raymond dans Portneuf. Et comme depuis plusieurs années, on a aussi remis une bourse de la relève à une jeune journaliste qui s'est distinguée par jeune journaliste étudiante qui s'est distinguée par la production d'un reportage là, qui a été diffusé au journal Le Soleil au cours de l'année précédente. Donc, pour nos activités, on était dans ce que je viens de vous mentionner. L'année dernière, on a eu une seule prise de position lorsqu'on a dû dénoncer. Malheureusement, on n'aura plus cette eau au moulin, mais on a dû dénoncer les propos du maire Régis Labeaume qui s'était attaqué à un reportage de Taïeb Moala dans lequel Taïeb avait eu recours à une source anonyme et M. Labeaume avait décrédibilisé le recours à cette source en disant qu'une source anonyme, ça pouvait être n'importe qui, n'importe quel quidam sur le coin d'une rue. Alors, on a dû faire un petit rappel à l'ordre pour rappeler qu'une source anonyme, ce n'est pas n'importe qui sur le bord d'un chemin, c'est une personne dont on protège l'identité parce qu'elle est à risque de représailles. Alors, voilà pour la section Québec. Merci beaucoup, Alexandre. On m'a dit que Jean-François Poudrier de l'Outaouais voudrait prendre la parole pour sa section régionale. Donc, Bonjour, désolé. Vous m'entendez? Ça va bien? Oui, désolé, je suis en train de faire l'affectation également pour Radio-Canada, donc je n'ai pas pu être là pour une bonne partie de la réunion. Mais nous, ça a été quand même une année assez tranquille. En fait, je suis le nouveau président, c'était Alexandre Anger qui était présidente au cours de l'année dernière. Donc moi, j'ai été élu avec notre nouveau conseil d'administration à la fin du mois d'octobre, début du mois d'octobre, je crois. Et ben, ça a été évidemment une année quand même assez tranquille avec tout ce qui est COVID-19. Là, on a été un peu à l'arrêt pendant cette période-là. Ce qu'on a de gros à mentionner, c'est le retour d'une bourse pour la relève journalistique qu'on a créée donc à nouveau, qu'on a remis en mai 2021 à une jeune étudiante de la Cité collégiale. La bourse est au nom de Marthe Blouin, qui a été journaliste à Radio-Canada sur la colline notamment, qui a été prof également de journalisme à l'Université d'Ottawa pendant plusieurs années. Puis ça a été pas mal un gros fait d'armes cette année. On a également fait des capsules pour parler de la couverture du journalisme, pas du journalisme, mais plutôt de la COVID-19 à l'international avec des correspondants, comment eux ont fait leur travail pour couvrir la COVID-19. Ça a été présenté dans le cadre de la semaine de la presse. Je sais qu'on avait notamment Annick Perrault, Boris Proulx notamment, qui avaient participé à ces capsules-là qu'on a produites pour le début du mois de mai. Et on a également pris position contre le comité des finances de la ville d'Ottawa qui était parti à une chasse aux sources pour connaître les sources des journalistes qui avaient sorti une histoire. Donc, on a dénoncé cette situation-là. Et justement, au cours des dernières semaines, on a également félicité nos deux hebdos de la région qui ont célébré leur 60e anniversaire, donc l'Info Basse-Lièvre et l'Info Petite Nation. Et cette année, bien, on essaie de se relancer en présentiel avec des formations, avec des réunions, avec des invités qu'on aura en présentiel, des 5 à 7 également pour discuter de journalisme et de plein d'autres choses. Donc, on a beaucoup d'espoir de pouvoir relancer la section cette année. Merci beaucoup pour l'Outaouais. Donc, simplement vous dire que dans l'Est du Québec, il y a l'exposition Antoine Desilets qui est toujours là, qui va se promener. Et également au niveau de l'Abitibi, donc je sais qu'il y a une bourse également qui a été créée là-bas. Donc, on est. Donc, voilà.
simplement vous dire certaines activités qui ont été faites ailleurs, des sections qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci. Merci. Ça nous amènerait au point suivant, point 8, présentation des candidats aux élections du conseil d'administration pour le poste d'administrateur pigiste. J'ai vu dans le chat tantôt qu'il y avait au moins une candidature qui s'annonçait. Hassan Lagsha. Oui, on ne vous entend pas. Il est là, c'est son micro qui n'a pas de l'air. Mais je comprends que M. Lagsha présente sa candidature. Est-ce que j'ai un appuyeur? C'est appuyé par Léla Fayet et Jean-Benoît Nadeau. J'en vais juste vérifier que c'est deux membres professionnels. Parfait. Parfait. Donc, effectivement, les deux membres qui l'appuient sont des membres professionnels. Est-ce que j'ai d'autres candidatures pour le poste d'administrateur pigiste? Je n'ai pas d'autres candidatures. Monsieur Lagsha, est-ce que vous on essaie de voir si votre micro fonctionne? On ne vous entend toujours pas. Mais je vous déclare élu par acclamation. Donc, félicitations. Ça nous amènerait à présentation des états financiers vérifiés au 31 juillet 2021. Et je pense que le point doit être reporté à une assemblée générale à venir parce que la firme vérificatrice n'a pas terminé son travail. Exact. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour reporter le point à une prochaine assemblée générale qui s'annonce probablement pour le début de l'année 2022. C'est proposé par Jean-Benoît Nadeau, c'est appuyé par Stéphane Giroux. Merci. Est-ce qu'il y a c'est clair pour tout le monde là, ce qu'on est en train de faire. Donc, les états financiers ne sont pas prêts. Ils doivent être adoptés par l'Assemblée générale, mais ça va se faire au début de l'année 2022 dans le cadre d'une assemblée spéciale. Monsieur Lagsha. Je n'ai toujours pas de son. Possiblement, d'un point de vue technique, c'est de peut-être cliquer en bas à gauche sur le système de son et de mettre identique au système. Des fois, ça règle le problème. Des fois. Sinon, il pourrait toujours se présenter dans la discussion et quelqu'un pourra le lire. Il pourra parler quand on fera la présentation des élus. Oui. On va revenir à la présentation des élus, à moins que vous nous disiez dans le chat, M. Lagsha, que c'était sur la question des états financiers. Je vais passer à Valérie Gaudreau. Oui, bonjour. Question sur les états financiers. Je fais appel à la mémoire abyssale de Richard Bousquet. Est-ce que c'est arrivé dans le passé là, qu'on ait… je sais que c'est déjà arrivé que des assemblées n'avaient pas quorum, qu'on repousse, mais là, que le point précis des états financiers soit fait à un autre moment? Avec ma mémoire, je ne me souviens pas que les états financiers n'aient pas été adoptés. C'est sûr qu'ils ont toujours été adoptés par l'Assemblée générale. Je ne me souviens pas que c'était une Assemblée générale qu'on a dû reporter. Mais est-ce que c'est… Par contre, on a déjà eu des assemblées générales qui n'ont pas eu quorum. Exact.
Est-ce que c'est, je sais pas, là, j'allais dire, j'essaie de qualifier, là, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Puis de toute façon, les états financiers, hein, vous et moi, là, c'est ce que la firme comptable va produire comme état financier. L'Assemblée générale doit surtout en prendre connaissance parce qu'elle ne peut pas les rejeter. Mm-hmm. C'est une opinion comptable que l'Assemblée générale peut juste dire on en prend connaissance puis on les accepte telles quelles parce qu'on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les rejeter. On est obligé d'en prendre pour acquis. Donc, ce n'est pas très grave, effectivement, de reporter cette prise de connaissance-là de 2-3 mois. Okay. Merci. Si je peux me permettre, juste pour ajouter, le point suivant est un point budget. En fait, ça va donner une idée assez claire des membres sur la situation budgétaire de la Fédération. Ça merci. Va? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le report du point sur les états financiers? Il y a une question. Oui. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi Pierre Saint-Denis peut savoir pourquoi ils ne sont pas. Je peux répondre. Vas-y. Oui, Martine. Donc, en fait, ils ne sont pas prêts parce qu'il y a eu énormément de changements à la permanence et qu'on a dû revoir l'ensemble des subventions qui ont été reçues par la Fédération. Et je suis aussi partie en congé de maternité donc au début novembre, au moment où il y avait un crunch de chiffres. Donc, je m'excuse pour ce délai-là. Mais vraiment, c'est une année où on a dû refaire beaucoup de travail financier pour s'assurer que la fédération soit dans le positif. Et donc, vous allez voir qu'au niveau du budget, c'est un budget qui, justement, tout à fait correct et qui respecte nos capacités de payer. Donc, l'idée, c'était vraiment de s'assurer que l'audit reflète l'ensemble des discussions qu'on a eues au cours de la dernière année avec le conseil d'administration sur les modifications budgétaires, notamment, qui devaient être faites. Donc, au niveau de l'auditeur, on a dû faire un petit travail supplémentaire cette année, ce qui occasionne le délai qu'on a ici. Merci. Question de Gabrielle Brassard-Lecourt. Oui, excusez-moi d'insister, là, c'est juste que on ne connaît pas M. Lakcha. Nous, on représente les pigistes. On aurait besoin de savoir s'il est pigiste. Il n'est pas membre de l'AGIC. C'est important pour nous. Là, on a eu des problèmes avec ça dans la dernière année, là, des membres qui se disaient être pigistes, qui ne l'étaient pas. Donc, je ne sais pas si M. Lakcha peut au moins vous présenter dans le chat ou. OK, c'est bon. C'est fait, Gab, pardon. Merci. Oui, d'accord, je vais le lire pour tout le monde. Je suis Hassan Lakcha, journaliste néo-québécois issu de la formidable diversité cosmopolite montréalaise, actuellement pigiste pour le JDV, Journal des voisins, le prix média communautaire de 2020, notamment comme chroniqueur en culture et en immigration. Je travaille aussi au magazine La Sénat musicale comme journaliste en arts et spectacles. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je présente ma candidature pour le CA. Ce sera pour moi une belle manière de témoigner de ma gratitude pour ce merveilleux espace journalistique québécois qui m'a tant donné et d'apporter ma petite contribution à la consolidation des bases pérennes de la pratique journalistique saine. Après une expérience professionnelle d'une quinzaine d'années dans divers médias de la presse écrite au Maroc, j'évolue depuis une dizaine d'années dans mon nouveau port d'attache, où j'ai, parallèlement à mon exploration des nouveaux horizons qui s'ouvrent à moi dans la plus grande métropole francophone après Paris, j'ai eu l'opportunité de perfectionner, probablement, puis là, le message s'arrête là. Donc, vous avez une idée du CA de M. Lakcha. Du CV, excusez. Donc, ça nous. Je reviens à ma. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le report des états financiers? On saute un petit peu. Personne ne demande le vote, donc le report des états financiers merci. Est fait, il est adopté par l'Assemblée générale. Ça nous amène au point 11, nomination du vérificateur financier. Comme on a reporté les états financiers, la proposition est également de reporter la nomination du vérificateur financier. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur.
pour reporter ce point-là également. C'est proposé par Jean-Benoît Nadeau. C'est appuyé par Éric-Pierre Champagne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le report du point nomination du vérificateur financier? Je n'ai pas de questions. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le report du point? Je précise, comme tantôt, que ça devrait être fait au début de l'année 2022. Mm-hmm. Personne ne demande le vote. C'est donc reporté. Ça nous amènerait… On va aussi le mettre en ligne pour que les gens puissent se consulter avant même que ça soit adopté. Donc, ne vous inquiétez pas, là, ça devrait être prêt dans les prochaines semaines. Donc, dès que ça va être prêt, on va le déposer, vous pourrez consulter. Puis par la suite, il sera entériné dans une assemblée générale. Donc, vous allez l'avoir en cadeau de Noël. Oui, c'est ça, à peu près. Ça nous amène au point 12, budget annuel, Martine. Oui, donc vous avez, on va vous mettre le budget, vous l'avez aussi reçu. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement puisque j'entends un petit être qui va avoir besoin de moi bientôt. Mais je vais quand même prendre le temps de vous l'expliquer puisque c'est la première fois que vous allez avoir ce budget-là. Donc, c'est un budget qui compare 2020-2021. D'ailleurs, à ce propos-là, je tiens à remercier Claude Robillard. Claude Robillard qui a été vraiment extrêmement précieux pour moi à mon entrée en fonction puisque une des premières questions que j'ai posées, c'est… Et ça nous prend un budget, il faut qu'on établisse un peu les règles et les normes. Et franchement, son aide a été extrêmement précieuse puisqu'on a vraiment fait le tour, lui et moi. Et par la suite, avec la firme Télescope également, qu'on a embauché pour nous aider au niveau de la tenue de livres. Bon, ils ont eu des changements aussi au cours de l'année. On a perdu notre technicien comptable qui est revenu, ce qui a aussi retardé l'ensemble des délais que vous avez vus là. Ceci dit, ça reste quand même une firme extrêmement précieuse pour nous. Donc, le budget a aussi été vérifié par cette firme-là pour s'assurer d'être le plus près du réel possible. Vous allez voir également que comme directrice générale, je suis très conservatrice dans mes revenus. Donc, on a des revenus ici qui sont sous-évalués par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre, mais je ne fais pas un budget optimiste, je fais un budget réaliste. Donc, voilà. Donc, ce que vous voyez au niveau des revenus, au niveau du membership, on a mis 225 000 $ à peu près de membership. Normalement, on devrait s'attendre à un petit peu plus. Comme Michael vous l'a dit, on a eu des hausses dans certains types de membership. Donc, on pourrait s'attendre un petit peu plus, mais étant donné qu'on couvre de l'année de 1er août 2021 au 31 juillet 2022, on comprend aussi certaines données de l'an dernier. Donc, on ne veut pas non plus surestimer la part au niveau du membership. Ensuite, au niveau des revenus de formation, donc, on a mis environ 4 000 $ Encore une fois, c'est sous-estimé. Évidemment, on veut pousser des formations. Valérie a été embauchée justement pour ça. Donc, l'idée aussi, c'est de générer un peu de revenus, mais vous allez voir aussi, on a des dépenses, évidemment, pour payer des formateurs, sauf quand on a un Michael qui va donner des formations gracieusement. Ensuite, au niveau des revenus publics, donc, l'an passé, on avait eu deux subventions spécifiques là, à mon arrivée. Il y a eu d'autres, évidemment, subventions qui ne sont pas comprises là-dedans. Mais pour la semaine de la presse et des médias, on a fait une demande à Patrimoine Canada. On est en travail, justement. On espère qu'elle sera acceptée pour tenir encore une fois la semaine de la presse et des médias. Et vous allez voir, les dépenses sont exactement les mêmes que les revenus. Donc, c'est comme si on n'avait pas engrangé un certain type de revenus un peu plus élevé. Évidemment, il y a des dépenses qui sont surévaluées là, à ce niveau-là. Au niveau des revenus publicitaires, c'est tout ce que vous voyez dans nos infolettes à peu près, donc à chaque semaine environ, sur nos sites web et tout. On a mis 14 000 $ Pour être bien honnête, j'ai vu un rapport qui a été fait par Catherine où il y avait mention qu'on pourrait aller jusqu'à 20 000 $ Et suite à l'évaluation des livres, on pense aussi être capable d'aller chercher 20 000 $ de revenus spécifiques juste via des revenus publicitaires, mais on a quand même mis à 14 000 $ Ensuite, des publicités pour le 30, où on a eu un petit travail aussi qui a été fait. Donc, ça, c'est des publicités cette année. La Caisse de dépôt et placement, qui est une subvention pour des bourses. Donc, vous allez voir, au niveau des dépenses, on a 100 000 $ de dépenses. Donc, on garde un 5 000 pour des frais administratifs, c'est ce qu'on a. Donc, la FNCC qui nous donne un petit montant aussi pour pouvoir payer l'adhésion au conseil de presse. Donc, vous avez justement voté pour les représentants, mais non pas pour la représentante de la FNCC qui est Lisa Marie Gervais, puisque c'est déjà nommé par la FNCC.
Aussi, au niveau des revenus des congrès, donc évaluation ici plutôt optimiste, mais bon, on espère pouvoir revenir l'année prochaine en présence. Prix Judith Jasmin, prix Antoine Desilets, c'est très collé à la réalité de ce qu'on a eu l'année passée avec une petite bonification. Partenariat média, donc à peu près 20 000 $ c'est à peu près ce qu'on reçoit, donc encore une fois, rien de nouveau à ce principe-là. Ensuite, voilà, on n'a pas mis de dons ni de retour TPS. Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas budgéter sur des réalités qui n'existent pas. Donc, attendant de recevoir nos retours de TPS et divers dons. Mais je sais déjà qu'on a des dons cette année qui ne sont pas comptabilisés là-dedans. Donc, à peu près un don de 6 000 $ qui s'en vient. Au niveau des charges, donc pour le total des salaires, au niveau de la permanence, on est environ à 139 000 $ Donc, évidemment, ça peut sembler élevé, mais ça comprend notamment des stagiaires, trois postes à l'interne. C'est quand même pas si mal. Et je suis aussi en congé de maternité, ce qui sauve un peu de sous. Dépenses pour les bourses. Donc, vous voyez, c'est les nombres de bourses. Évidemment, c'est matière à changement parce qu'il y a un comité sur les bourses qui va se pencher. Vous avez fait un sondage dernièrement. Donc, ça, c'est des prix. C'est lié à des prix qu'on remet. On a gardé un 6 000 $ pour un gala. On ne pense pas remettre le gala, mais du moins une soirée de remise de bourse. Donc, ça, il y aura un 6 000 $ éventuellement. Puis, je vous en avais parlé, la bourse CDPQ. Donc, on remet des prix pour la Caisse de dépôt et placement. Presque entièrement le montant. Ensuite, subventions, comme je vous l'avais dit, donc on a mis des subventions comme si on dépensait totalement la subvention de la semaine de la presse. Mais évidemment, il y a certaines dépenses qui sont liées, notamment pour des activités régionales, etc., qui vont dans les régions. Donc, normalement, ça nous permet de faire diminuer un peu cette pression budgétaire-là. Ensuite, au niveau du congrès, donc des dépenses aussi qui nous permettent d'avoir un petit surplus. Et le 30, donc des dépenses qui comprennent une partie donc, des dépenses pour l'année, puisque certaines dépenses, et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un comparatif avec l'année précédente, certaines dépenses l'année passée ont été payées déjà. Donc, pour l'année prochaine, on a seulement le troisième versement et les dépenses publicitaires à faire. Les dépenses pour les régions, donc on a 8 régions, donc 8 000 $ qui est prévu. Mais comme je vous le disais, la semaine de la presse et des médias, on a des dépenses aussi pour les activités des régions. Donc ça, c'est suite à leur dépôt de rapport financier. Conseil de presse, donc tout ça reste. Il n'y a pas vraiment de changement à ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'au niveau de nos services comptables, ça nous coûte environ, on a prévu 20 000 $ C'est vraiment une grosse évaluation, là. Je pense que ça devrait être un peu moins cher. Mais ça nous permet de sauver quand même certains sous aussi. Au niveau du loyer, une augmentation qui est prévue parce qu'il y a une augmentation de loyer. Et pour le reste, évidemment, on a des petites dépenses de plus au niveau des contrats de service pour vraiment refléter les dépenses réelles qui avaient été largement sous-estimées. Les représentations des placements, bien, sans surprise, l'année passée, il n'y a pas eu de déplacement. Donc, Stéphane et moi, on s'est rencontrés pour la première fois en présence au mois de août, durant mes vacances à Québec. Donc, il n'y avait pas eu de dépenses de déplacement. Cette année, on s'attend à ce qu'il y en ait un peu plus, ne serait-ce que pour permettre à Stéphane de venir aussi assurer la permanence à Montréal, puisqu'il réside à Québec, et aussi permettre à certains membres du conseil d'administration de se déplacer. Notamment, on a tenu un lac à l'épaule dernièrement, donc une augmentation évidemment de la représentation pour les déplacements. Des frais pour des formations, pourquoi il y en a moins? Bien, l'année passée, on a vraiment mis le paquet pour former l'ensemble du conseil d'administration sur comment lire des états financiers, mais également sur une formation d'administrateur qui a été enregistrée, qu'on va pouvoir présenter aux nouveaux administrateurs, donc on n'a pas de nouvelles dépenses à faire à ce niveau-là. Des frais bancaires qui représentent nos frais bancaires, mais aussi on a une plateforme qui s'appelle NetBank qu'on utilise, donc c'est pour ça qu'il y a une petite augmentation. Donc, vous voyez, et des assurances également que j'ai ajoutées, donc nos assurances générales et nos assurances responsabilité d'administrateur. Donc, nos contrats sont encore là pour un bon 2 ans, donc pas de surprise ici non plus. Pour un budget équilibré, donc à zéro, vous voyez que l'année passée, on a eu un léger surplus, mais en fait, le surplus, selon ce que j'en sais, au niveau des audits, est pas mal plus élevé pour l'instant. Il y a eu un travail quand même colossal de réévaluation qui a été fait. Donc, c'est ce qui fait le tour du budget. Si vous avez des questions, commentaires, je suis prête.
Merci. Donc, je vais avec les questions. Ben, je vais y aller d'abord avec un proposeur et un appuyeur pour adopter le budget qui a été présenté avant de passer aux périodes de questions. C'est proposé par Antoine Lacroix et c'est appuyé par Blaise Gagnon. Blaise ne peut pas appuyer, donc c'est appuyé par Nicolas Langelier. Merci. Donc là, je vais ouvrir une période de questions, commentaires sur le budget. Je cède la parole d'abord à Nicolas, c'était-tu pour, parce que tu as appuyé ou tu évoques une question? Vas-y, Nicolas. Il appuyait. Valérie Gaudreau. Oui, bonjour. Alors, j'ai juste trois questions, commentaires reliées au budget. Premièrement, la bourse Caisse de dépôt placement, je déclare mon intérêt. Le Soleil a largement bénéficié de cette bourse en journalisme économique assez extraordinaire. Je sais qu'à l'origine, mon souvenir, c'était 19, 20, 21. Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'on connaît un peu les intentions de la Caisse pour poursuivre? Ou en fait, renouveler? On l'a mis dans le budget. J'ai parlé avec la Caisse avant de partir justement en congé de maternité. Il y a une volonté de poursuivre. Évidemment, la Caisse ne veut pas renouvelle jamais les mêmes projets. Donc, on va devoir faire une nouvelle demande, mais il y a un intérêt, il y a une volonté. On a même ouvert sur un projet qui pourrait être accepté, qui est justement, qui va vous plaire, parce que c'est un projet pour valoriser justement dans les régions pour des bourses. Okay. Donc, je pense que du côté du Soleil, il risque d'avoir un intérêt également. Voilà, ça, on va redéposer un nouveau projet et c'est pour ça qu'on l'a conservé dans le budget actuel. Excellent. Parce que vraiment, là, je veux dire à quel point les deux, on a eu trois jeunes femmes journalistes. 2019, c'est quelqu'un qui a poursuivi dans le métier. 2020, elle est actuellement en France. Et 2021, on l'a gardé comme surnuméraire. Alors, pour vous montrer les retombées directes, là, c'est super. Rapidement, le 30, je vois que c'est budgété aussi. Je ne sais pas si ça irait plus au Varia, mais je tiens à féliciter l'équipe d'Atelier 10. Je pense que ce virage-là a été vraiment salutaire. On a tous eu notre copie ces jours-ci. Je suis très, très satisfaite. Je sais que Nicolas est présent dans la salle, alors je tenais à le souligner. Okay. Et troisième point, le loyer avec toute la décentralisation forcée par la COVID. Est-ce qu'il y a eu réflexion ou est-ce que c'est la volonté là, de la FEDE de conserver les bureaux sur Saint-Laurent? C'est une excellente question. Ça a été une de mes premières réflexions lorsque je suis arrivée au bureau et que j'avais 5 ordinateurs pour moi toute seule. Donc, je dois vous avouer que ça a été comme une question majeure. On a encore un bail qui s'échelonne jusqu'en 2023. La réflexion a été, puis je l'ai présenté aussi au conseil d'administration, de faire la planification stratégique, de voir quelle est notre mission, comment on veut s'orienter, quels sont nos besoins physiques. Là. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'avoir un bureau pour pouvoir faire des formations, pour accueillir des gens? Qu'est-ce qu'on veut faire avec les bureaux de la FPJQ? Et éventuellement, donc, de prendre cette décision-là à la fin du bail. C'est une réflexion, je dirais, où on risque de répondre à la prochaine Assemblée générale très, très clairement. Parce que oui, ça fait partie des discussions qu'on a là. Puis c'est quand même un bon montant, là, un 26 000 $ qui sort de nos coffres sur un budget d'environ là, 480 000. C'est quand même pas négligeable. Okay. Merci, bravo. Ça va pour tes questions, Valérie? Oui, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur le budget? Pas d'autres questions, commentaires sur le budget? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption du budget? Le budget est donc adopté. Ça nous amène au point 13, plan stratégique 2022-2027. Martine. Oui. Donc, simplement vous dire, sur le plan stratégique, donc, il y a un comité qui va être formé. Ce comité-là, je sais que j'ai déjà une membre des régions, qui est Stéphanie McFarlane, qui a déjà soumis son nom. Par la suite, il y aura également un appel à certains membres, à la fois étudiants associés. Donc, je vais vous renvoyer une liste. L'idée, ce serait de trouver ces gens-là d'ici à Noël. Donc, faisons-nous un cadeau, créons notre comité de planification stratégique. Ce comité-là va se rencontrer à chaque mois, donc pendant une demi-journée. L'idée, c'est donc de partir le tout pour janvier
Et pour terminer à la prochaine Assemblée générale, donc l'idée, ce serait de faire une proposition pour que le plan stratégique, donc le comité soit, qu'on crée un comité, qu'on mandate le conseil d'administration pour créer un comité sur la planification stratégique et également qu'on lui donne le mandat de réaliser le tout d'ici la prochaine Assemblée générale en novembre 2022. Donc, comme ça sera chose du passé. C'est une planification stratégique pour les 5 prochaines années où on va revoir donc mission, des objectifs et on va donc poser certains objectifs aussi à remplir pour la fédération pour les 5 prochaines années, donc court, moyen, long terme. Donc, ceux qui ont des idées, qui ont de l'intérêt, je sollicite votre candidature. Venez nous rejoindre. Donc, dans les prochaines semaines, au niveau de l'infolettre, il va y avoir une inscription, vous pourrez le faire. Par la suite, on avisera les membres qui formera le comité pour que ce soit le plus transparent possible. S'il y a des membres en cours de route qui ne veulent pas nécessairement être là à chaque mois, mais qui ont une opinion, qui veulent s'impliquer, je vous invite à nous envoyer aussi ça par courriel, à l'infolettre, ce que vous voulez. Et dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'impliquer au le plus grand nombre. Et il y aura également des consultations vers la fin de l'année, avant notre Assemblée générale, pour aller valider auprès de certains membres aussi les modifications, les objectifs, là, pour s'assurer que le processus est le plus inclusif possible. Donc, voilà. Merci. Donc, je comprends bien, c'est qu'il y a une proposition pour qu'on... de création d'un comité de planification stratégique en vue d'un rapport pour novembre 2022. Exactement. Pour que ça soit comme que l'Assemblée ait connaissance qu'on se... donne des objectifs déjà précis. Parfait. Donc, c'est proposé par Marie-Ève Martel et c'est appuyé par Silvio Morin. Donc, ça rouvre une période de questions-commentaires sur la création du comité. Jean-Benoît Nadeau. Oui, simplement pour dire, ajouter à ce que Martine disait que le vote. Elle l'a peut-être mentionné, mais je ne l'ai pas entendu. À savoir que la place des régions dans la réflexion va être importante. Ça va être un gros morceau. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas mis à jour au comité de gouvernance la partie région là, en annexe, parce qu'on attend de faire ça dans le cadre du travail qui va être fait cette année. Voilà, c'est tout. Merci, Jean-Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Il n'y a pas d'autres questions, commentaires. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption de la proposition qui est de créer un comité de planification stratégique qui devra déposer son rapport en novembre 2022? Personne ne demande le vote. La proposition est donc adoptée. Ça nous amène à l'annonce des élus au conseil d'administration et au conseil de presse. Je vous rappelle que la présidence d'élection a été assurée par le directeur général adjoint Stéphane Villeneuve et qui m'a transmis les résultats des élections. Donc, à la présidence de la FPJQ, évidemment, il n'y a pas de surprise. Michael Nguyen a été réélu sans opposition. Administrateur, mandat de 2 ans. Il y avait élection, il y avait 2 candidatures et la personne élue est Stéphanie Marin du Devoir, donc comme administratrice pour 2 ans. Ensuite, il y avait administrateur région. Il y avait 2 candidatures pour 2 postes, donc ils sont réélus, qui sont élus tous les 2 par acclamation. Silvio Morin dans Boss.com. Et Jean-François Racine du Journal de Québec. Ensuite, administrateur associé non étudiant, il y avait 1 candidature, donc Blaise Gagnon est élu par acclamation. C'est Blaise qui est professeur à ATM au Saguenay pour un mandat de 2 ans. Administrateur associé étudiant, il y avait 2 candidatures donc pour un mandat d'un an et donc je déclare élu Catherine Paré, qui est étudiante à l'Université de Montréal. Et administrateur pigiste pour un mandat de 2 ans, on a élu tantôt Hassan Lagcha. Ça complète la composition du conseil d'administration.
Maintenant, pour le Conseil de presse, il y avait un poste recommandé par la Fédération nationale des communications et de la culture pour un mandat de 2 ans. Donc, Lisa Marie Gervais est élue par acclamation. Et il y avait 2 postes pour un mandat de 2 ans qui étaient à combler. Il y avait 4 candidatures. Il y en a une des 4, celle de Vincent Brousseau-Pouliot, qui a été retirée avant le résultat. Et donc, il restait 3 candidatures et je déclare élu Simon Chabot-Blain et Camille Lopez comme membre du conseil de presse pour les 2 prochaines années. Donc, ça compléterait l'annonce des élus au conseil d'administration. Je félicite l'ensemble des personnes élues. Et ça nous amène au point Varia. Et on m'annonçait un concours. Oui, c'est ça. Il y avait un concours avec la personnelle, donc, qui est un partenaire de la FPJQ. Et donc, le concours, la gagnante, en fait, c'est Hélène Bédard, qui est membre associée. Donc, félicitations, Mme Bédard, d'avoir gagné ce merveilleux concours avec la personnelle. Merci. Ils vont la contacter parfait. Elle sera contactée dans le courant de la semaine par la personnelle. Parfait. Est-ce qu'il y a des membres qui ont des points à ajouter au point Varia? C'est là habituellement qu'on a des propositions. Sympathiques, je dirais. Pierre Saint-Arnaud. Oui, j'aurais juste voulu savoir, je sais qu'on a eu un sondage, par exemple, sur les Judith Jasmin. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est dans les travaux pour, si on s'enligne sur une réforme, d'une part, et d'autre part, sachant que les Judith Jasmin, c'est toujours un point de contention assez, assez important. C'est un euphémisme. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu là-dedans, d'une part. D'autre part, dans ce qui a été présenté comme annexe pour les régions, je sais qu'on a eu dans le passé, là, pour les conseils d'administration, des demandes de certaines régions, si je me souviens bien, c'était celle du Saguenay, pour avoir sur les conseils d'administration régionaux des gens qui n'étaient pas membres. Et je regardais dans l'annexe, il n'y a rien de spécifié pour l'instant. Est-ce qu'on est en train de travailler là-dessus? Où est-ce qu'on s'en va à peu près? Donc ça, c'est comme mes 2 questions. Puis je terminerai là encore une fois là, avec des félicitations à tout le monde du côté du conseil d'administration, du côté de la présidence, du côté de la permanence. Le travail que vous faites est essentiel. C'est quand même majeur là, que les gens s'en rendent vraiment pas compte souvent sur le terrain, mais c'est vraiment important ce que vous faites. Merci, Pierre. Donc, je vais disposer de la dernière partie de ton intervention. C'est-à-dire que tu as une proposition sympathique pour l'ensemble du conseil d'administration, de la présidence et de la permanence de la fédération. Genre de proposition qui habituellement est appuyée à l'unanimité, à moins que quelqu'un s'y oppose. Et si personne s'y oppose, donc la motion est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc, pour répondre aux questions de Pierre. Oui. En fait, je vais commencer par celle sur les régions, parce que ça a été une des premières questions ou discussions que j'ai eues, notamment avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui était une des régions, justement, qui était visée par cette question-là. C'était principalement d'avoir des membres associés présents, notamment des membres étudiants aussi présents sur le conseil d'administration. Puis, comme vous venez d'entériner des nouveaux règlements généraux où la FPJQ elle-même accepte les membres associés, donc, non-étudiants et étudiants, vous comprendrez que ça a été évidemment permis aussi pour les régions de pouvoir aller de l'avant. Évidemment, dans l'idée où ce sont toujours les membres professionnels qui représentent la majorité des membres sur le conseil d'administration. Ça, c'est une chose. Mais déjà, je dirais, l'ensemble aussi de la structure au niveau des régions va devoir être discuté dans le cadre de la planification stratégique parce qu'un des éléments qui est lié notamment aux finances doit être aussi clarifié. Il n'y a rien de vraiment précisé non plus dans cette annexe-là. Donc, on va devoir revoir ça. Sur les Judith Jasmin, il y a eu un sondage, il y a eu énormément de participation. On était super contents. Il y a une refonte majeure donc, qui va se faire. Le comité est déjà à pied d'œuvre là-dessus, donc devrait se rencontrer dans les prochaines semaines pour revoir notamment les catégories pour les Judith Jasmin, Antoine Desilets, parce que là, il y avait un peu de mélange là, sur les différents types de prix.
Il y a aussi, il y avait aussi la question de quand doit-on remettre ces prix-là. Pour l'instant, ça va rester durant la semaine de la presse. Ça sera révisé dans le cadre de la prochaine année, donc 2023, où ça devrait se tenir dans le cadre du congrès pour permettre à plus de monde de pouvoir y assister en présence, que ce soit vraiment quelque chose qui soit encore plus aussi prestigieux. Cette année, on revoit les catégories. Et l'année prochaine, donc, et aussi les critères pour les dépôts. Là, on sait qu'il y a eu certaines questions qui ont été posées. Donc, tout ça va être revu cette année. C'est un gros chantier quand même. Et les gens du comité sont déjà à pied d'œuvre là-dessus. Merci. J'ai une autre question d'Alain Castonguay. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. J'aurais aimé savoir où en est la réflexion sur la possibilité de tenir un congrès en personne l'année prochaine? On aurait voulu le faire cette année. On aurait voulu le faire cette année. En fait, on s'enlignait pour le faire cette année, mais quand on a eu la discussion, c'était au mois de septembre, Michael, c'est ça, hein? Au lac à l'épaule. Et là, on commençait à avoir des restrictions qui s'annonçaient. Il y avait des hausses des cas qui s'annonçaient. Donc, on a pris la décision de ne pas aller de l'avant sur un congrès en présence, je vous dirais à contre-cœur, parce qu'on avait trouvé plein de possibilités. Si je peux me permettre, je veux dire que c'était vraiment pas une décision facile, non. Parce que c'est prévoir des mois à l'avance la situation pandémique qui arriverait en novembre. Donc, on a regardé, on voyait des restrictions, on regarde les tendances qu'on voit un petit peu partout. Ça aurait été risqué, je pense, de faire un congrès en présentiel avec tout le monde un petit peu pacté dans les corridors, les masques baissés qui ne respectent pas la distanciation physique, parce qu'on le sait tous, avec 4, 5, 6, 7 et 8 bières dans le corps, ça devient difficile. Sans oublier le karaoké. L'image du journalisme, parce qu'on est à un moment où tous les journalistes sont attaqués de toutes parts. On doit montrer l'exemple. Imaginez seulement si deux, trois complotistes se retrouvent dans l'hôtel, voient ça, décident de tourner des vidéos et de mettre sur Facebook, regardez les journalistes qui donnent la leçon, voilà ce qu'ils font, comment ils sont. Ça aurait été un enjeu à suivre. Donc, on a décidé, un peu à contre-cœur quand même, d'opter pour la sagesse, de se dire c'est que partie remise. Et on espère vraiment de tout cœur qu'on puisse se voir en personne, parce que je vous dirais que je suis président depuis 2 ans, ça me manque. Le contact de vous voir, ça me manque énormément, puis j'espère que l'an prochain, on pourra tous se voir puis partager un verre. Merci. On précise dans le chat que s'il y a un congrès en personne, il faut s'assurer de la clause karaoké. Oui. Clause essentielle qu'on précise. On sait, on a une mémoire. Est-ce que j'ai aussi André Lavoie? Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Super. Alors, André Lavoie, depuis peu ex-membre du CA de la FPJQ. Alors, c'est seulement pour souligner que cette année, à la FPJQ, bien, il y a quand même eu un événement que je qualifierais d'important, dans la mesure où, depuis quelques années, la FPJQ animait et avait développé le programme 30 secondes avant d'y croire, que plusieurs journalistes ici présents connaissent parce que je reconnais les noms de gens qui sont formateurs dans ce programme. Et cette année, on a passé d'un programme à NOBNL, le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, qui maintenant supervise ce programme. Et d'abord, je voulais m'assurer que tout le monde est au courant de ce changement quand même important. Je voudrais souligner le travail remarquable de gens comme Lynn Pagé, Eve Baudin, les gens de l'agence Science Presse comme Pascal Lapointe et José Nadia Drouin qui ont participé à la création du centre. Et je voudrais aussi en profiter pour lancer une invitation à tous les collègues journalistes qui seraient intéressés à donner la formation 30 secondes avant d'y croire dans les écoles ou les bibliothèques. Je mets tout de suite dans le chat l'adresse du centre. Donc, vous pouvez à la fois connaître nos activités, connaître le programme et bien sûr vous inscrire. Et puis, moi, j'ai participé bien modestement à la création de ce centre-là cette année. Ça a occupé, dans le fond, l'essentiel de mon mandat d'un an. Et maintenant, je fais partie du conseil d'administration de ce centre. Et
j'en suis très heureux et j'espère vous croiser, vous y retrouver parce que contrer la désinformation, initier les jeunes à comprendre ce que font les médias, je pense que c'est fondamental. Et si vous participez en grand nombre à ces formations-là, bien, je pense que vous aidez à la fois les citoyens à mieux s'informer, mais vous aidez aussi la profession journalistique à mieux se faire connaître et à faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on fait comme métier et à l'importance que ça a dans notre démocratie. Donc, encore une fois, bien, je félicite mes collègues parce que je les ai vus aller cette année. Ça a été un travail, je vous dirais assez essoufflant, mais je trouve que le résultat final est assez impressionnant, puis je pense que c'est garant pour beaucoup de succès pour l'avenir, puis j'espère que vous allez contribuer à ce succès-là. En tout cas, j'espère vous voir. Alors, merci beaucoup. Merci, André. Est-ce que j'ai d'autres interventions au point Faria? Je n'ai pas d'autres interventions. Je vais céder la parole au président. Michael, qui a un dernier petit mot à vous transmettre. C'est juste un petit mot pour vous remercier d'avoir été présent dans cet AG. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous, même si c'était en virtuel. J'aimerais aussi remercier tous les administrateurs qui ont terminé leur mandat et félicitations à tous les nouveaux administrateurs. J'ai vraiment hâte de travailler avec vous parce que vraiment… Quand j'ai commencé ma présidence il y a 2 ans, je me demandais un peu dans quoi je m'embarquais. 2 ans sont écoulés, j'entame un deuxième mandat et c'est un réel plaisir. C'est beaucoup de travail, mais j'ai le temps, j'ai la volonté, je pense au journalisme. En fait, pour moi, c'est une façon de vivre, le journalisme. J'y pense constamment, qu'est-ce qu'on peut faire pour le métier, comment améliorer le métier, comment améliorer l'image du journalisme. Et vraiment, on a un conseil d'administration solide. Je tiens à remercier ma vice-présidente, Marie-Ève Martel, qui fait un travail génial pour m'épauler. Tout le CA est incroyable. On a une permanence remarquable qui, en un an, a bâti un travail que j'imaginais presque pas que c'était possible. Et on a des bénévoles qui s'impliquent et c'est absolument génial. Fait que on continue, puis j'ai vraiment hâte. Donc, juste vous rappeler, avant la levée de l'Assemblée générale, que le congrès n'est pas terminé. On a encore 2 ateliers cet après-midi sur le harcèlement envers les professionnels de l'information et comment couvrir le complotisme. Donc, j'espère que vous serez là et que vous allez apprendre beaucoup parce que ça s'annonce vraiment intéressant. Merci, Michael. Sur ce, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée générale. C'est proposé par Jean-Benoît Nadeau, appuyé par Pierre Saint-Arnaud. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la levée de l'Assemblée générale? Personne ne demande le vote. L'Assemblée générale est donc levée. Merci beaucoup à tous.